Bonjour les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui comme prévu afin de vous montrer le petit envoi que j'ai reçu de la part d'Elisa, de la chaîne Le Scrap d'Elisa, je pense que c'est ça, sur lequel j'ai gagné un petit concours, faisais un petit concours, donc pour lui faire plaisir, j'ai envoyé un petit album photo et puis tout simplement, quand j'ai le temps, je le fais, je sais pas à chaque fois, parce que je ne fais pas ça forcément pour gagner le concours. Mais pour dire que la personne reçoit une petite création de ma part. Donc, j'ai eu la chance notamment de gagner dans son concours. Donc, je voulais déballer ce que j'ai reçu avec vous en direct. Donc, voilà. Donc, j'ai juste enlevé le scotch pour pouvoir déballer plus facilement. Donc, c'est un lot normalement action. Alors, il y a déjà une petite carte qu'elle a réalisée avec les embellissements, vous savez, les trucs à faire en 3D. C'est vrai que c'est des trucs que moi je fais pas généralement, systématiquement, moi je l'utilise pour faire des mini, comme vous avez pu voir, pour des décorer. Voilà, donc je lirai ça après. Alors, elle m'a mis le scotch double face. C'est très bien, c'est ce que j'utilise. Alors, elle m'a mis aussi des diamond stickers. Donc, je peux dire que c'est ma première planche parce que moi personnellement, je ne les ai pas achetées parce que c'est pas forcément ce que j'utilise. Mais c'est vrai que ça peut être sympa de temps en temps d'utiliser ces petits embellissements-là. Ensuite, pour continuer dans le brillant, il y a des strass, enfin des, oui, des strass, on va dire ça, des bleus, des verts. Donc ça complétera les miens. Cela, des paires stickers. Donc du bleu, du blanc et du vert d'eau. C'est la couleur que je prends quand j'en achète parce qu'avec le vert d'eau, j'aime beaucoup cette couleur. Comme vous devez le savoir, tellement l'avoir remarqué. Ensuite, il y a comment dire? Ils appellent ça 3D foam pad self adhésive. En fait, c'est des, comment dire, des plaques de mousse 3D, voilà, autocollante. Donc c'est vrai que ça c'est pas des trucs que j'utilise énormément, mais ça pourra toujours me servir dans mon scrap. Ensuite, des stickers 3D. Celle-là en plus, je ne pense pas l'avoir, donc c'est tant mieux. Voilà. Des stickers smooth, donc c'est pareil, celle-là, je ne pense pas l'avoir. Je suis pas sûre, mais je pense pas. Bah, ça, c'est tant mieux, hein. Tant qu'à faire. Vu que maintenant j'ai un action, c'est vrai que j'achète quelque chose chez eux parce que c'est essentiellement les papiers, mais j'achète quand même un peu de matériel chez eux, mais celui-là je ne pense pas l'avoir. Les tags, ah ben ça c'est sûr que je les ai pas parce que je les ai pas achetés. Donc c'est des tags en craft avec des dessins en fluo au-dessus. Donc même si j'utilise pas le côté fluo parce que c'est pas spécialement mon truc, je peux toujours utiliser l'autre côté. Qui fait un peu craft en fait. Donc il y a des petites fleurs oranges, des fleurs bleues, des nœuds violets, des petits cœurs jaunes, des petites flèches roses fluo, mais bien pétant cela. Voilà. Ensuite, ça c'est pareil, j'en ai pas acheté. Ils appellent ça des metallic embossed cardboard. En fait, c'est des embellissements métalliques, enfin, avec de la mousse 3D argentée. Et un petit sachet de boutons dans les tons roses. Donc merci beaucoup Elisa, je te remercie beaucoup pour le très beau lot que tu m'as envoyé.
Car en plus, même si c'est du action, c'est pas du matériel que j'ai. Donc c'est encore mieux. Je te fais de gros bisous. Je mets dans la barre d'infos, je vais essayer de mettre le lien de ta je vais pas dire ta page, de ta chaîne YouTube. Voilà. Et je vais essayer de mettre aussi une photo de la création après si j'arrive. Parce que je jongle avec les téléphones, les ordinateurs en ce moment parce que c'est franchement pas évident, mais ça c'est une autre histoire. Donc je vous fais du gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye.